way you move. Trouve à l'adresse suivante. coltv.com/sacré-jeu. Les participants seront sélectionnés à l'occasion de différents tirages au sort à l'aide d'un mécanisme informatique qui choisit au hasard un participant, que ce soit par internet ou par téléphone. Le mécanisme de sélection aléatoire ne promet pas que tous les participants par téléphone ou par internet pourront rejoindre le programme en direct à l'antenne. Quand il y a un bonus, le participant a l'opportunité de jouer à un jeu supplémentaire pour gagner. Le bonus n'est pas garanti. Les solutions par email ne seront pas acceptées. Chaque appel ou tentative d'appel à partir d'un numéro de ligne fixe coûte 1,99 par appel. À partir d'un téléphone portable, cela peut être différent. Pour toute info complémentaire, 08 48 44 40 08, tarif local. Pour rejoindre le studio gratuitement, cliquez sur coltv.com/sacré-jeu, lire le règlement du jeu, cliquez sur le lien coltv.com/sacré-jeu, remplissez le formulaire et cliquez sur OK. Si vous êtes sélectionné, vous serez rappelé. Vous pouvez consulter le règlement du jeu à l'adresse suivante, coltv.com/sacré-jeu. Hello les amis, bonsoir. Eh ben ça y est, on est au week-end les Suisses, ça y est, le vendredi qu'on attend toute la semaine est enfin là. Alors, vous êtes prêts ou pas? Avant que je commence, les amis, vous êtes prêts? Ça y est, vous êtes bien installés dans le canapé, les coussins, le petit verre d'eau, le petit thé, le petit chocolat, tout va bien? Ok, on peut démarrer? Ça y est les Suisses, on démarre? Allez, on démarre. Oh, waouh, waouh. Alors ça me plaît, et je pense que ça va vous plaire aussi, les amis. Allez, donc, on démarre avec 1000 francs au total. Alors évidemment, il va falloir bosser un petit peu. Alors, prénom féminin, les amis. Je vous demande un prénom féminin pour 1000 francs au total. Et production, on donne la première lettre? Ah! Alors, on va déjà donner... Waouh! Ça commence bien, hein? Ça commence très bien. Regardez les Suisses. La toute première lettre, est un M. Donc déjà, c'est pas mon prénom à moi, Anne. Non, ça y est, je suis hors jeu. C'est pas moi. Alors, quel prénom il y a dans l'enveloppe, les amis? Allez, quel prénom féminin dans l'enveloppe qui commencerait par un M? Alors, allez, je veux vite une bonne réponse. Je veux que quelqu'un surtout reparte avec les 1000 francs au total. C'est quand même une super belle manière de commencer le week-end. Alors, vous avez une idée ou pas? Est-ce que vous avez une idée? Vous avez une idée? Les amis, est-ce que vous avez une idée maintenant? Est-ce que quelqu'un connaît un prénom qui commence par un M? Allez, je veux vous entendre ici au 09 01 41 45 15. La bonne réponse est dans l'enveloppe. La bonne réponse, elle vaut 1000 francs au total, les amis. Pour un prénom qui commence par la lettre M, comment s'appelle votre maman? Comment s'appelle votre épouse? Comment s'appelle votre sœur? Comment s'appelle votre tante, vos amies féminines? Comment s'appelle-t-elle? Est-ce que dans le lot, il y a quelqu'un qui porte un prénom qui commence par un M? Voilà, voyez? Pas besoin de chercher loin. Cherchez dans votre cercle amical, professionnel, familial. Voilà, cherchez autour de vous. N'allez pas chercher midi à 14h. Vous cherchez autour de vous comment s'appellent les dames de votre entourage, les amis. Madame, votre nom à vous? Les candidates qui nous regardent là ce soir, quel est votre prénom? Est-ce que votre prénom commence par la lettre M? Allez, je vous entends ici, il y a 1000 francs au total pour vous si vous me trouvez la bonne réponse, les amis. C'est beaucoup d'argent et je suis sûre que quelqu'un peut repartir avec. Alors, je vous attends ici au 09 01 41 45 15. Alors, un prénom féminin qui commence par un M. Mesdames, comment vous appelez-vous? Hein? Les dames là qui nous regardent, comment vous vous appelez? Est-ce que ça, c'est la première lettre de votre prénom? Alors, si c'est pas votre prénom, le prénom de votre maman, votre sœur, cousine, tante, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Votre meilleure amie, comment elle s'appelle, par exemple? Votre collègue féminine, comment s'appelle-t-elle? Voyez? Il y a plein de façons de penser à des prénoms féminins. Allez, moi j'en veux un seul. C'est celui-là qui m'intéresse.
C'est celui qui est là, moi, qui m'intéresse et ce qui va vous permettre de repartir avec 1000 francs au total, les amis. C'est quand même sympa pour un vendredi soir. On commence bien le week-end, hein. On commence super bien le week-end, hein. Boum, 1000 francs comme ça qui tombent, presque sans rien faire. Quand même un petit peu réfléchir. Mais un coup de fil à passer, les Suisses. Un prénom qui commence par la lettre M à me donner. Et si c'est celui qui est dans l'enveloppe, bingo pour vous, 1000 francs au total. Alors, est-ce que quelqu'un a une première idée? Hein? Est-ce que quelqu'un a une idée, là, tout de suite? J'ai entendu sonner, je crois, non? Bonsoir, allô? Oui, allô? Allô, bonsoir, madame. Bonsoir. Bienvenue. Alors, je vous ai... Elisabeth. Elisabeth, bienvenue. La réponse, Madeleine. Madeleine. Production, est-ce que c'est Madeleine? Ça n'est pas Madeleine. Elisabeth, ça n'est pas Madeleine. C'était bien tenté, ça aurait pu. Ça aurait pu être la réponse qui est dans l'enveloppe, mais ce n'est pas Madeleine. Alors, autre chose. Allez, autre chose. Est-ce que... Je vais écrire la réponse d'Elisabeth quand même, qui m'a dit Madeleine, ça aurait pu être bon, mais c'est pas ça. Allez, quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'autre avec un autre prénom, les amis, pendant que j'écris. Allez, réfléchissez. Pendant que j'écris. Alors, ce n'est pas Madeleine. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Allez, Elisabeth, si vous avez une autre idée, vous pouvez me rappeler, hein, vous n'avez pas le droit qu'il y ait un essai. Hein. Vous pouvez me rappeler, hein, Elisabeth, si vous avez autre chose, vous pouvez me redonner une autre réponse. Il n'y a pas de problème, vous avez le droit de jouer autant de fois que vous voulez. Les autres, alors les autres. Les autres, est-ce que quelqu'un a un autre prénom commençant par la lettre M à me donner? Allez, un autre. Votre sœur, votre maman, votre cousine, votre tante, votre grande-tante, votre... Peut-être votre petite fille. Si vous êtes déjà grand-maman, votre petite fille, comment s'appelle-t-elle? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Votre collègue? Votre boulangère? Bah oui, pourquoi pas. Peut-être la boulangère. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi, je sais pas, plein. Tout le cercle féminin autour de vous. Que ce soit les amis, la famille, les collègues, juste les connaissances vagues. Allez, j'ai toujours les 1000 francs à donner au total. Ça, c'est la bonne nouvelle. Quelqu'un peut toujours repartir avec en m'appelant au 09 01 41 45 15. Alors, si ce n'est pas Madeleine, c'est quoi? Allez, un autre. On ne sait jamais, c'est peut-être celui qui est dans l'enveloppe. Je crois que j'ai entendu sonner. Oh, ça me plaît, ça. Ah, on a quelqu'un. Allô? Waouh. Oula. Oula. Allô? Oui. J'entends du bruit, là. J'entends... Allô? Moi, je vous entends. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ça y est, je vous entends. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Vous battiez avec le téléphone? Non, mais je crois que c'est le mauvais ton qui fait ça. D'accord. Alors, je vous écoute, s'il vous plaît. Mariella. Mariella, très jolie comme prénom. Est-ce que c'est Mariella Production? Non, je suis désolée. C'était bien tenté. Et c'est très beau comme prénom. C'est très très beau. Mais ça n'est pas Mariella. Ah, moi je sens que ce jeu vous plaît. Moi il me plaît beaucoup. Allez, donc, ce n'est pas Madeleine, ce n'est pas Mariella. Une autre idée, les amis, une autre idée. Allez, un autre. Allez, un autre prénom. Allez, un autre prénom qui commence par la lettre M. Et moi, j'ai une petite surprise pour vous. Regardez, 200, les amis, 200 francs de plus. Allez, pour vous encourager. 1200 francs au total à gagner pour la personne qui me trouve. Le prénom qui commence par la lettre M qui se trouve dans l'enveloppe. Alors, on a eu deux réponses. Madeleine, Mariella. C'était très bien trouvé, très bien tenté, mais c'est pas le prénom là qu'il y a dans l'enveloppe. Qu'est-ce que ça peut être? Hein? Qu'est-ce que ça peut être, les amis? Un autre prénom que ces deux-là qui commence par un M. Allez, réfléchissez.
et appelez-moi. Surtout, n'ayez pas peur d'être là à l'antenne parce que le prénom que vous allez me donner, c'est peut-être le bon. On ne sait pas. Les amis, surtout, surtout, là, il faut vraiment m'appeler si vous avez la moindre idée différente de ces deux-là parce que ça peut être très bien être. C'est peut-être, imaginez que c'est peut-être votre prénom à vous qui est dans l'enveloppe, là, je viens d'y penser. C'est peut-être votre prénom, mesdames, qui est dans l'enveloppe. Alors, ne cherchez pas trop loin. Si votre, si vous appelez par un prénom qui commence par un M, dites-le-moi. Dites-le-moi, c'est peut-être le prénom qui vaut 1200 francs au total. Allez, les amis, je peux vous dire une chose. Allez, je vais vous dire une chose. Vous connaissez ce prénom-là. Vous le connaissez, ce prénom-là. Il y a peut-être quelqu'un dans votre famille qui s'appelle comme ça. Alors pensez aux femmes de la famille. Allez, pensez aux femmes de la famille. La sœur, la maman, la grand-mère, la cousine, la tante, la petite fille, la petite cousine, l'arrière. Enfin, toutes les femmes de la famille. Allez, comment s'appelle-t-elle? Si il n'y a pas de M dans les femmes de la famille, les amis, vos amis IE, IES, comment s'appelle-t-elle? Voilà. Voilà des manières de penser à un prénom féminin qui commencerait par un M. Allez, j'ai eu deux propositions. Il m'en faut d'autres, ça me suffit pas, moi, ça. Hein. Ah, je peux pas me contenter de ça, les Suisses. Hein. Il y a au moins encore un prénom hein, qui commence par un M et il est toujours là. Hein. Il est toujours dans l'enveloppe et il vaut maintenant 1200 francs au total. Allez, qui repart avec? Il suffit d'être ici avec la bonne réponse. Alors, je vous attends. Allez, quelqu'un. Allez, quelqu'un, les amis. Allez, quelqu'un au 09 01 41 45 15. Un prénom qui commence par la lettre M. On a eu Madeleine et à l'instant Mariella. C'est pas bon. N'empêche que ça en fait deux d'éliminés quand même dans la liste des possibilités. C'est pas mal. Mine de rien, ces deux-là nous ont rapprochés de la bonne réponse. Alors, qui va trouver? Allez, qui me donne un autre prénom qui commence par la lettre M, les amis? Il me faut la bonne réponse. Hein. Allez, il me faut la bonne réponse. Alors, comment s'appelle votre maman? Comment vous vous appelez? Par exemple, comment vous appelez? Est-ce que votre prénom, mesdames, parmi toutes mes candidates là qui regardent la télé, est-ce que votre prénom commence par un M? C'est drôle de se dire que peut-être parmi vous, il y a une candidate qui s'appelle comme ça. Il y a peut-être une candidate qui s'appelle comme ça, les amis, là, qui a le prénom, qui porte le prénom qui est dans mon enveloppe. Alors, si votre prénom commence par la lettre M, mesdames, hein, pas messieurs, hein, mesdames, si votre prénom commence par la lettre M, soyez là. Vous voyez, vous n'avez même pas à réfléchir, vous me dites comment vous vous appelez. Voilà, c'est tout. C'est tout. Soyez là parce que vous avez peut-être la possibilité de repartir avec 1200 francs au total. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'appeler maintenant, les amis? Regardez. J'ai eu deux propositions. Ça me suffit pas, bien évidemment. Hein. C'est pas comme ça qu'on va trouver. Hein. Allez, on s'arrête pas là. Hein. Il y en a encore au moins un. Hein. Il y a encore au moins un prénom qui commence par un M. Un prénom féminin qui commence par un M. Qui est là dans mon enveloppe. Allez, je suis sûre que là, vous en avez un en tête. Vous n'osez pas appeler. Je sais pas pourquoi, mais faut pas avoir peur de... Même si vous trompez, et alors, vous rappelez. Vous avez le droit de rejouer autant de fois que vous voulez, les amis. Profitez-en, d'accord? Alors, les amis, allez. Allez, on se reprend là. Je pensais que ça allait démarrer très fort, et puis là, on s'arrête à Mariella, il n'y en a plus. Personne ne connaît un autre prénom qui commence par un M. Pourtant, moi, j'en ai un en tête là, et si ça se trouve, c'est celui qui est dans l'enveloppe. J'ai le prénom de ma cousine, moi, en tête là, ici. Il commence par un M, donc vous voyez. Si vous ne savez pas comment chercher, regardez dans votre cercle familial. Les femmes de la famille s'appellent comment? Moi, ma cousine, elle a un prénom qui commence par un M. Alors, les amis, est-ce que votre cousine à vous peut-être, votre grand-mère, votre maman, votre sœur, votre tante, votre petite cousine, toutes les femmes de la famille, si ça ne marche pas avec les femmes de la famille, vos amis IES, comment elles s'appellent? Votre meilleure amie? Votre meilleure amie IE, elle s'appelle comment? Vos collègues de travail féminines, comment s'appellent-elles? Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Bah, pensez à toutes les femmes qui vous entourent, voilà.
que ce soit dans la famille, parmi les amis, parmi les collègues, parmi juste les connaissances. Les femmes qui vous entourent s'appellent comment? Voilà des manières, des façons de penser à des prénoms féminins. Allez, si dans le lot, il y en a un qui commence par un M, autre que Madeleine et Maria, vous devez absolument être là. Hein. Vous devez être ici parce que, comment savoir? C'est peut-être le prénom qu'il y a dans l'enveloppe, les amis. Et ça vaut 1200 francs au total. J'ai une petite surprise pour vous. Une petite surprise dans pas longtemps, donc restez avec moi. Ah, 1300. Allez, 1300 les amis, 1300 francs au total. Mais j'aimerais quand même bien avoir une proposition. Hein. Allez, moi c'est bien hein, que je mette de l'argent en plus, mais ça sert à quoi si j'ai personne ici? Allez les Suisses, faites un effort, il y a beaucoup d'argent à gagner. Et en plus vous pouvez trouver, franchement, un prénom féminin... Vous aider en vous disant que le prénom, hein, je suis pas allée chercher un prénom, d'accord. Allez, s'il vous plaît, quelqu'un à l'antenne là, quelqu'un m'appelle maintenant au 09 01 41 45 15. Si vous avez la moindre idée, vous devez être ici. Ne vous dites pas, alors oui, j'ai bien un prénom féminin qui commence par un M, mais je suis pas sûre. Évidemment que vous n'êtes pas sûr tant que vous n'êtes pas ici. Vous ne pouvez pas savoir avant d'être là si le prénom que vous avez en tête, c'est le bon ou pas. Il faut absolument être ici. Comme mes deux candidates là qui ont tenté leur chance, ça aurait pu très bien pu être ça. Imaginez que la bonne réponse eût été Madeleine ou Mariella, bah, cette personne-là repartait avec le gain. Donc le gain qui est là peut partir au prochain appel finalement. Vous là qui allez m'appeler avec un prénom féminin qui commence par un M, vous pouvez très bien être la personne qui repart avec 1300 francs au total, les amis. Mais pour ça, il faut être ici. Si vous restez dans le canapé sans me téléphoner, évidemment, vous ne gagnez rien. Alors, les amis, j'attends un prénom féminin qui commence par la lettre M. Bon, moi, c'est pas bon. Anne, Estelle, c'est pas bon. Alors, vous, mesdames, vous là, qui me regardez, comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Est-ce que parmi vous, j'ai une candidate qui a un prénom qui commence par la lettre M? Allez, pensez à ça. En fait, il n'y a même pas besoin de penser, tiens. Pas besoin de réfléchir beaucoup, hein. Je crois que j'ai entendu sonner. On a quelqu'un? Oui, on a quelqu'un. Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Alors, je vous écoute. Oui, Micheline. Micheline. Ah, j'avais pas pensé à celui-là. Production, est-ce que c'est Micheline? Non, désolée, ça n'est pas le prénom qu'il y a dans l'enveloppe. J'aurais pas pensé à Micheline. Bien tenté, ça s'est bien tenté. Oh, les amis, vous voyez que vous connaissez quand même hein, des prénoms qui commencent par M. Alors, Micheline, non. Non, 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 non. Alors, 3. Oh! Production, oui, on donne la deuxième lettre, les amis. La deuxième lettre va s'afficher. Qu'est-ce que c'est? Ma. M-A. Alors, M-A. Allez, tout le monde le connaît. Allez, tout le monde le connaît, les amis. Donc, ça aurait pu être Madeleine, ça aurait pu être Mariella. Bah, ça pouvait pas être Micheline. Là, maintenant, vous savez pourquoi. Alors, un autre prénom que Madeleine et Mariella qui commence par M A. Allez, les amis. Allez, je sens que quelqu'un va trouver. Moi, je sens que je vais donner l'argent dans pas longtemps. Allez.
Allez les amis, vous connaissez au moins un autre prénom qui commence par M-A. Même moi, là j'en ai un. Là, moi j'en ai un. Qui pourrait être la réponse? Peut-être que quelqu'un va me dire le même. Allez, peut-être que quelqu'un va me dire le même. Ça aurait pu être ces deux-là, hein, regardez, M-A, M-A, hein, mais c'est pas le prénom qu'il y a dans mon enveloppe. Alors, un prénom féminin, Ma. Et je vous attends pour la suite. Allez, je vous attends pour la suite. Je vous dis le premier, les deux premières lettres. Ma. Et vous me donnez la suite ici. Allez, 09 01 41 45 15. 1300 francs, toujours au total à gagner. J'ai toujours pas donné. Ça peut très bien être le prochain appel. Hein. L'argent qui est là peut partir au prochain appel, les amis. Peut-être que vous appelez comme ça. Peut-être que votre prénom à vous commence par M1. Peut-être. Allez, s'il vous plaît, appelez-moi maintenant. 09 01 41 45 15. Est-ce que j'ai une candidate? Tiens, je m'adresse à vous, mesdames. Je m'adresse à vous. Est-ce que j'ai une candidate parmi vous dont le prénom commence par M-A? Si c'est le cas, vous n'avez même pas à réfléchir. Vous n'avez même pas à penser. Vous m'appelez, d'accord? Allez, je vous attends ici. Peut-être que grâce à votre prénom, vous allez repartir avec 1300 francs au total. Ça serait pas super, ça? Il n'y a rien à faire, juste me dire comment vous vous appelez. Super, non? Allez, je vous attends au 09 01 41 45 15. Si votre prénom commence par M-A, vous devez absolument m'appeler. Évidemment, autre chose que Madeleine et Mariella. Allez. Et il y en a au moins un. Moi, j'en ai un en tête, là. J'en ai un en tête. Et il se pourrait que ce soit la bonne réponse parce qu'il reste, bah, moins de possibilités maintenant. Il reste moins de possibilités, forcément. Donc, quelqu'un va me donner la bonne réponse, c'est sûr. C'est sûr, quelqu'un va me donner la bonne réponse, j'en suis certaine. Allez, mais pour ça, il faut m'appeler. Allez. Oh, waouh! Merci, production. J'ai rien demandé. Ah, c'est un cadeau de la production parce que vous faites des efforts. Ah, ben ça, c'est sympa. Alors ça, c'est sympa. Allez, 1500 francs au total, les amis. Qui va partir avec? C'est la question. Ça peut être vous grâce à votre prénom. Grâce à votre prénom, vous pouvez peut-être partir avec 1500 francs au total. Allez, M-A. Ma quelque chose. À vous de me donner la suite ici. Allez, je vous attends. J'ai pas... Allez. On a eu trois propositions là. Normalement avec ça, avec cet indice là, je devrais déjà avoir plus de monde là. Allez, appelez-moi tout de suite, s'il vous plaît. Alors, si vous ne portez pas un prénom qui commence par M-A, peut-être que votre maman s'appelle, porte un prénom qui commence par M-A. Votre sœur, votre tante, votre grand-mère. Il y a plein de possibilités là pour penser à un prénom. Ah, on va savoir. Allô? Allô, allô? Je dirais... Allô? Le prénom. Allô? Oui, vous parlez plus fort, je vous entends très mal. Ah, alors écoutez, c'est le prénom, c'est Marceline. Marjoline. Non, Marceline. Marjorie, les deux. C'est pas c'était Marceline, on m'a dit, hein. Marceline, non, c'était bien tenté, ça. Waouh. Les amis, vous me trouvez des super idées, hein. Allez, bah, continuez de chercher. Donc, à l'instant, Marceline. Alors, Marceline. Eh, ça aurait pu être ça, hein. On a bien le MA ici. Le début est bon, mais pas ça. Voilà. Ça, c'est bon, mais pas la suite. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui a tout bon, les amis. Allez. On va trouver. Alors là, moi, je dis, quelqu'un va repartir avec l'argent, là. Peut-être le prochain appel. Mais
soyez plus là, les amis, vraiment, vraiment, parce qu'on est, on est à ça de trouver la solution. Franchement, on est très, très proche de la solution. Et je vous le dis, hein, quelqu'un va repartir avec l'argent, mais il faut être là, d'accord? Allez, 09 01 41 45 15. Un prénom féminin qui commence par Ma, autre que Madeleine, Mariella et Marceline. Autre chose? Allez, il y en a encore un. Moi, j'en ai un en tête qui n'a pas été dit encore. Hein. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça qu'il y a dans l'enveloppe. Peut-être que là, vous êtes en train d'ailleurs de penser au même que moi. C'est peut-être la bonne réponse. Moi, j'ai pas le droit de jouer. Vous, par contre, si vous avez la moindre idée, les amis, d'un autre prénom féminin qui commence par Ma, vous devez absolument m'appeler maintenant au 09 01 41 45 15. Regardez le gain. 1500 francs au total. Comme ça, peut-être votre prénom à vous. Imaginez, même pas besoin de réfléchir. Si vous vous appelez avec un prénom qui commence par Ma, appelez-moi tout de suite. Il y a quelqu'un. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, bonsoir monsieur, bienvenue. Merci. Alors, je propose Magali. Magali, oh, c'est bien tenté, est-ce que c'est ça, production Magali? Oh non, je suis désolée. Oh, oh mince alors. Non, c'est pas la bonne réponse. Bien tenté, ça aurait pu. Les amis, je suis fière de vous là. Franchement, je vois que vous cherchez. Ah, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir parce que je vois que là, vous essayez de gagner les 1500 francs au total et je vous assure que c'est possible. Hein. Regardez, petit à petit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se rapproche de la bonne réponse. Ben oui, on a déjà éliminé Madeleine, on a éliminé Mariella, on a éliminé Marceline et à l'instant, on a éliminé Magali. Qu'est-ce qui reste alors? Qu'est-ce qui reste? Forcément, il reste de moins en moins de possibilités, les amis. Quelqu'un va trouver. Quelqu'un va trouver et repartir avec le gain. Allez, quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui a déjà joué, si vous avez une autre idée, vous hésitiez peut-être tout à l'heure entre deux noms, eh ben, donnez-moi l'autre, c'est peut-être l'autre le bon, on sait pas. Allez, quelqu'un qui a déjà participé là parmi mes cinq candidats ou quelqu'un de nouveau qui a une idée. Là, tout de suite, peut-être vous venez d'arriver, vous avez une idée. Un autre prénom qui commence par Ma, prénom féminin. Vous m'appelez tout de suite avant que quelqu'un remporte le gain. Parce que vous savez très bien qu'avec ce jeu, le gain qui est là, les amis, peut partir n'importe quand. Hein. Peut partir au prochain appel. Peut-être au prochain appel. Hein. Allez, on se dépêche, j'ai envie d'un gagnant rapidement, les amis. D'accord? Allez. Allez, on va savoir tout de suite. Allô? Oui, voilà. Bonsoir madame, bienvenue. Bonsoir. Alors, je vous écoute. Moi, j'ai téléphoné pour ça. Bon, on a dit que c'est Marianne. Marianne. Est-ce que c'est Marianne, production? Est-ce que c'est Marianne? Ah, non! C'est pas Marianne. Bien tenté encore, bien tenté. Ah, qu'est-ce que c'est alors? Que ça peut être alors? Allez, pendant que j'écris, continuez de chercher. Alors, Marianne à l'instant. Alors, regardez, on vient regarder un peu ce qu'on a éliminé. Ma de laine, c'est pas ça. Ma Riella, pas ça. Ma Céline, c'est pas ça. Ma Gali non plus. Ma Ryan non plus. Alors, c'est quoi? Allez, écoutez, pour vous encourager, regardez, 2000 les amis. Hop. Oum, 2000 francs au total. Les amis, moi je sens que ça, je donne au prochain appel. Allez. N'allez pas chercher midi à 14h. Peut-être que vous portez ce prénom-là. Imagine, vous appelez comme ça. Alors, si c'est pas Madeleine, c'est pas Mariella, c'est pas Marceline, c'est pas Magali, c'est pas Marianne, qu'est-ce qui reste? Il reste de moins en moins de prénoms qui commencent par Ma. Alors, allez, s'il vous plaît. Quelqu'un a-t-il une autre idée pour 2000 francs au total cette fois-ci? Appelez-moi tout de suite avant que le gain ne soit remporté au 09 01 41 45 15. Et vous savez très bien que le gain
le gain peut partir n'importe quand. Les amis, c'est pas un prénom compliqué. Hein, vous connaissez ce prénom, donc c'est peut-être le vôtre. Alors ça serait drôle, tiens, que ce soit que ce soit votre ça serait drôle que ce soit votre prénom. Ce serait vraiment vraiment marrant. Enfin marrant et super. Ce serait vraiment super que grâce à votre prénom, vous repartiez avec 2000 francs au total. Sans réfléchir, boum. Vous me donnez votre prénom à vous s'il commence par Ma. D'accord? Alors, je vous attends les amis, dépêchez-vous hein. Alors, ma quoi? Ma quelque chose. Allez. Moi je dis le début, ma, et vous êtes là. Vous êtes là pour donner la suite. Alors, vous ne m'appelez pas pour me répéter ce qui a été dit, bien sûr, c'est pour ça que je les ai écrits. Hein. C'est pour ça que je les ai écrits, pour que vous ne répétiez pas les mêmes mauvaises réponses, d'accord? Moi, je veux entendre la bonne, là. Allez, je veux entendre. Et je sens... Moi, je sens que la prochaine personne à être là va avoir la bonne réponse, parce qu'il reste de moins en moins de possibilités. Alors, quelqu'un va me la dire. Quelqu'un va me dire la bonne réponse. Et moi, je pensais à un très beau mot qui commence par ma. Le plus beau des mots du monde. Maman, bien sûr. Hein, maman. Mais c'est pas un prénom. C'est pas un prénom, maman. Tiens, bah, en parlant de maman, comment s'appelle la vôtre? Bah oui. J'ai dû penser à l'instant. Comment s'appelle votre maman? Si vous manquez d'inspiration, vous manquez d'idées, comment s'appelle votre maman, les amis? Est-ce que son prénom commence par M-A? Autre que ça, bien sûr. Si c'est le cas, soyez là. Allez, et vous donnerez peut-être cet argent pour vous faire un cadeau. Voilà, peut-être qu'à grâce à cet argent, vous ferez un cadeau à votre maman. Belle occasion. Allez, 0901 41 45 15. Qui a une autre idée que tout ça derrière moi? Hein, je les ai écrits pour que vous sachiez ce qui a déjà été cité comme prénom qui commence par ma. Donc j'en veux indifférent. Allez, j'en veux indifférent. Et à mon avis, le prochain appel, à mon avis, va me donner la bonne réponse. Et vous savez quoi? Je rajoute 200. Allez, hop là, 2200. Hein, j'ai l'argent là au bout des doigts. Allez, 2200 francs au total, les Suisses. Essayez, vraiment, vraiment, n'allez pas chercher trop compliqué. Franchement, n'allez pas chercher trop compliqué, c'est pas un prénom compliqué. C'est un prénom que vous connaissez, les amis. Que vous portez peut-être, que votre maman porte peut-être, les femmes de votre famille peut-être le portent, ce prénom-là. Alors dites-moi, si vous avez dans votre entourage une femme qui porte un prénom qui commence par ma, autre que ça, c'est peut-être la bonne réponse. Il y a de fortes chances d'ailleurs, vu ce qu'on a déjà dit. Tiens, ça sonne. On va savoir tout de suite. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Ça serait Marie-Lise. Marie-Lise. Marie. Oui. Marie-Lise Production. Non, c'est pas Marie-Lise. Oh, j'y ai cru parce que je me suis dit, ah, peut-être que c'est ça. Ça n'est pas Marie-Lise, je vais l'écrire là. Alors. Alors, Marie-Lise. Oh, alors, regardez les amis, tout ce qu'on a proposé déjà qui commence par ma. Madeleine, Mariella, Marie-Lise à l'instant, Marceline, Magali, Marianne. Alors quoi d'autre? Les amis, regardez, je rajoute de l'argent. Allez, attention. Oh, 2500, les amis. Parce que je pense que le prochain appel, c'est le bon. Allez. Moi, je pense que le prochain appel, c'est la personne qui me donne la bonne réponse et repart avec 2500 francs au total. Alors, à l'instant, on m'a dit Marie-Lise.
Alors... Alors, si c'est pas, les amis, si c'est pas Marie-Lise, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être? Allez, réfléchissez. Réfléchissez et appelez-moi parce que là, je vous dis, on est à deux doigts de trouver la réponse. Hein. Ça veut dire que l'argent va peut-être partir au prochain appel. Je vous préviens, les amis, hein, pour l'instant, oui, il y a toujours 2500 francs au total à gagner, mais moi, je sens que ça va pas tarder à arriver, la bonne réponse, là. Parce qu'il reste de moins en moins de possibilités. On vient encore d'éliminer une possibilité. On vient encore d'éliminer un prénom. Marie-Lise. Alors, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Peut-être un. Peut-être qu'il reste un prénom qui commence par Ma. Alors, qu'est-ce que c'est, les Suisses? Allez, qu'est-ce que c'est? Appelez-moi et donnez-moi le prénom qu'il y a dans l'enveloppe. Il vaut 2500 francs au total. Allez, vite, quelqu'un là avec une autre proposition, s'il vous plaît, tout de suite là, au 09 01 41 45 15. Un prénom féminin, les amis, qui commence par Ma. Ma. Et vous me donnez la suite ici. Alors, on vient de me dire à l'instant, Marie-Lise, c'est pas ça. Si c'est pas Marie-Lise, c'est quoi? C'est pas Madeleine, Mariella, Marceline, Magali, Marianne, c'est quoi? Oh oh, peut-être la bonne réponse. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Alors, je vous écoute. Marie. Oui, Marie. Production Marie. C'est pas ça, c'est celui que j'avais en tête. C'est pas ça. C'est celui auquel j'avais pensé. Alors, c'est pas Marie. Ah, je pensais que c'était ça, les amis, vraiment. C'est celui que j'avais en tête, moi. Alors, c'est pas Marie. Alors, allez, on recommence là. On cherche. Pendant que je l'écris, vous réfléchissez. Les amis, on est proche là. On est très, très, très proche. Quelqu'un va trouver là. Alors là, quelqu'un va me donner la bonne réponse. Oh, ça sonne. On va savoir tout de suite. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, madame. Je vous écoute. Marie-Claire. Marie-Claire. Production, Marie-Claire. Non, c'est pas ça. Oh! J'ai cru que c'était ça encore. Hein. Non, c'est pas Marie-Claire. Alors, qu'est-ce que c'est alors? Si c'est pas Marie, c'est pas Marie-Claire, c'est quoi? Allez, pendant que j'écris, cherchez et appelez-moi, les amis, parce que là, on est à deux doigts de trouver. Hein. Alors, Marie-Claire. Qu'est-ce qui reste alors? Les amis, c'est pas Madeleine, c'est pas Mariella, c'est pas Marceline, ni Magali, ni Marianne, ni Marlise, ni Marie, ni Marie-Claire. Qu'est-ce que c'est? Les amis, comme je pense que je vais bientôt donner de l'argent... Je pense que l'argent va partir, mais j'ai envie que cette personne parte avec plus que 2500. On met 3000. Allez, 3000 francs au total, les amis. 3000 francs au total, parce que ça me fait super plaisir. Je vois les efforts que vous faites. Donc, vous voulez trouver, c'est clair et net. Ça, regardez, ça, c'est la preuve que vous connaissez bien des prénoms qui commencent par Ma et que vous voulez trouver. Et ça, ça me fait plaisir. Moi, j'aime quand vous êtes comme ça, combatif. Alors, on continue. Allez, on s'arrête pas, hein. On est lancé, les amis, là. La machine est lancée. Vous êtes sur des rails. Vous êtes sur les rails, là. Jusqu'au 3000 francs total. Mais il faut continuer à chercher. Et surtout, c'est bien de chercher. Mais il faut continuer à m'appeler, surtout. Hein? Allez, on continue. On vient de me dire à l'instant Marie-Claire. Alors, si c'est pas Marie-Claire, c'est quoi? Qu'est-ce qui reste?
Qu'est-ce qui reste, les amis? Allez, continuez, surtout, continuez. Regardez, vous avez vu le gain quand même? 3000 francs au total pour la bonne réponse. Et à mon avis, les amis, à mon avis, l'argent va partir très bientôt. Peut-être là, peut-être d'ailleurs le prochain appel. Parce que à chaque fois que j'ai une mauvaise réponse, dites-vous que ça enlève une possibilité. Donc il reste de moins en moins de possibilités. C'est logique. À chaque fois que j'écris une mauvaise réponse sur ce tableau, on se rapproche de la bonne réponse. C'est logique, les amis. Ça veut dire que la personne qui va appeler maintenant avec une autre proposition a de très 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 fortes probabilités de me donner la bonne réponse. Parce que vous savez maintenant que c'est pas tout ça. La première candidate savait rien du tout. Vous là, les personnes qui allaient appeler maintenant, vous êtes quand même très avantagées pour trouver, parce que vous savez que c'est pas tout ça déjà. Alors, je suis sûre que vous avez trouvé. Moi là, je suis sûre que quelqu'un a la réponse sans le savoir. C'est ça qui est fou. Je suis sûre que quelqu'un là est devant la télé avec la bonne réponse en tête. J'en suis sûre et certaine. Allez, appelez-moi, les amis. Appelez-moi. Vous pouvez gagner de l'argent comme ça rapidement. Alors, moi, j'ai une petite surprise. J'ai une info qui va arriver là. Écoutez, les amis, je vais vous donner la dernière lettre. Alors, la dernière lettre, les amis, qu'est-ce là? Un E. Alors, la dernière lettre, c'est un E. Allez. Alors, c'est quoi? Allez, les amis, maintenant, j'ai vraiment besoin d'entendre. Je veux entendre la bonne réponse. Vous l'avez peut-être sur le bout de la langue, là, ou alors en tête. Vous avez peut-être là un prénom qui commence par ma et se termine par E en tête, qui n'a pas déjà été dit. Il y a quand même de très fortes probabilités que ce soit la réponse, la bonne réponse. Parce que regardez tout ce qu'on a dit déjà. Tout ce qu'on a déjà dit comme proposition qui n'était pas des bonnes réponses. Alors qu'est-ce qui peut bien rester? Qu'est-ce qui peut bien rester comme prénom qui commence par ma et se termine par e? Il y en a quand même. Ça se trouve, il n'en reste qu'un. Ça se trouve, il n'en reste qu'un, les amis. Et il est là. Et il est dans l'enveloppe. Et il vaut 3000 francs au total. Allez, continuez de chercher, s'il vous plaît. Continuez de chercher. Et surtout, dès que vous avez, à la seconde, vous avez une idée, vous devez être à l'antenne avant que quelqu'un ne gagne cet argent. Parce que je vous assure, ça va partir. Avec ça, avec les deux premières lettres et la dernière lettre, l'argent va partir. Va partir très, très, très vite. Moi, je pense, les amis, hein, je pense que l'argent part au prochain appel. Franchement, je pense que les 3000 francs au total vont être remportés par la prochaine personne là qui va être là, parce que qu'est-ce qui peut bien rester comme prénom qui commence par A et se termine par E? Quelqu'un a la réponse. Là, à ce stade, quelqu'un a la réponse. Allez, appelez-moi, les amis, n'abandonnez pas maintenant. N'abandonnez pas maintenant, je vous ai donné ça quand même. Hein. On est à deux doigts de trouver. Hein. Regardez tout ce que vous avez tenté tout à l'heure. N'abandonnez pas maintenant, vous avez maintenant la dernière lettre. Regardez, la dernière lettre, c'est un E. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Voilà. Il ne vous reste plus qu'à trouver ça là, voyez? Vous trouvez les lettres entre MA et E, et c'est gagné. Alors, allez, réfléchissez. Réfléchissez et appelez-moi rapidement, les amis, au 09 01 41 45 15. Bon, écoutez, je vous fais ma dernière offre parce que je veux entendre la bonne réponse. Allez, ma dernière offre. Ma dernière offre, les amis, je mets 5000 francs au total. Waouh! 5000 francs au total. Allez, votre dernière chance, les amis. Après, je dois prendre l'enveloppe et vous montrer le prénom. Allez, vous connaissez ce prénom. Vous connaissez ce prénom? N'allez pas chercher trop compliqué, les amis, je vous le dis. N'allez pas chercher trop compliqué. Vous connaissez ce prénom. Peut-être que c'est votre prénom à vous. Peut-être c'est le prénom de votre maman. Peut-être le prénom de votre grand-maman. Votre sœur, votre cousine, votre tante.
Votre meilleure amie peut-être s'appelle comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la famille? Cousine, je l'ai dit. Vos collègues de travail, peut-être vos collègues de travail féminines. Vos amies féminines, comment s'appellent-elles? Est-ce qu'il y en a une qui s'appelle, qui porte un prénom, pardon, qui commence par M-A et se termine par E? Autre que tout ça, bien sûr. Hein. Autre que ceux qui ont déjà été cités. Alors, qu'est-ce que ça peut être, les amis? Allez, c'est votre dernière chance. Moi, je veux entendre la réponse maintenant. Regardez, j'ai augmenté le gain parce que, justement, je veux entendre la bonne réponse très, très, très rapidement. Donc, les amis, je vous le dis, si là, tout de suite, vous avez la moindre idée, si vous avez un autre prénom, là, qui commence par « ma » et se termine par « e », autre que tout ça, vous devez absolument être à l'antenne. Il y a de très, très fortes chances que ce soit la bonne réponse. L'argent va partir. Hein. Avec un jeu comme ça, un indice comme ça, l'argent va partir à un moment ou un autre. Hein. Moi, ça va être très bientôt, j'en suis certaine. Mais il faut être ici. Évidemment, si vous restez dans le canapé sans m'appeler, même si vous avez la bonne réponse, vous ne gagnez rien. Hein, vous n'appelez pas, vous ne gagnez pas. Allez, soyez là les amis, l'argent va être remporté, je le sens. Allez, 5000 francs au total pour la bonne réponse qui est là derrière moi dans l'enveloppe. Dans cette enveloppe, j'ai un prénom qui commence par Ma et se termine par un E. Vous avez à trouver les lettres manquantes, là, à partir de là jusque là-bas. Voilà, vous trouvez cette partie-là et c'est gagné les amis. Alors, M-A, Ma... Et ça se termine en E. C'est quoi? Allez, continuez de m'appeler surtout. Continuez de chercher, bien sûr. Et continuez de m'appeler. Hein, ne gardez surtout pas, à ce stade du jeu, votre réponse pour vous. Imaginez deux secondes que vous ayez un prénom, là, en tête. Puis, pour X raison, vous ne m'appelez pas en vous disant « Oh, c'est peut-être pas ça. » Et vous voyez quelqu'un à l'antenne qui dit la même réponse que vous, vous aviez en tête. Vous passez à côté de 5000 francs au total. Bêtement, bêtement, parce qu'il vous suffisait de tendre le bras, d'attraper le téléphone et de m'appeler. Vous voyez? C'est pour ça que j'insiste. Si là, tout de suite, vous avez un prénom différent que tout ça, qui commence par M-A et se termine en E, vous devez absolument être à l'antenne, les amis. Il y a de très, très fortes probabilités, vu tout ce qui a déjà été dit, que ce soit la bonne réponse. C'est logique. Il reste de moins en moins en moins de possibilités de réponse. Il n'y en a pas 3 millions des prénoms qui commencent par A et se terminent en E. Il y a un nombre limité. Et regardez tout ce qui a déjà été dit. Alors, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Ça se trouve, il n'y en a qu'un. Je ne connais pas suffisamment bien les prénoms pour savoir combien il en reste, mais ça se trouve, il n'y en a plus qu'un. Et il est là. Et s'il n'y en a plus qu'un, bah, c'est obligé. Vous êtes plusieurs à y penser. Alors, qui va être là en premier et qui va repartir avec le gain? Allez, je vous attends, les amis. Alors, est-ce que vous bloquez à Marie-Claire? Terminé, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, les amis. Et pourtant, moi, je vous dis qu'il y en a encore au moins un. Et il est toujours ici dans mon enveloppe. Hein. Et désormais, il vaut 5000 francs au total, les Suisses. Hein. Allez, c'est votre dernière chance. Après, je vais être obligée de prendre l'enveloppe et de vous montrer le prénom. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est un prénom que vous connaissez. Je le répète, n'allez pas chercher trop compliqué. C'est un prénom que vous connaissez, les amis. Allez, appelez-moi. Là, si vous avez la moindre idée, appelez-moi tout de suite. C'est maintenant ou jamais. Le jeu, je vais devoir bientôt montrer la réponse. J'ai pas du tout envie de ne pas avoir de gagnant. D'accord? Allez. La Suisse. Je vais devoir montrer la réponse. Et quand je vais montrer la réponse, vous allez dire « Oh, bah oui, évidemment. » Alors,
J'ai pas du tout envie que ça se termine comme ça, moi. Non, je veux donner le gain et c'est largement possible de repartir avec parce que vous connaissez ce prénom, je vous assure. Imaginez en plus que ce soit votre prénom à vous, alors là... Si c'est votre prénom et que vous ne m'appelez pas, les amis... Allez, les Suisses, allez. Vous avez forcément là en tête un autre prénom qui commence par M-A et se termine par E, autre que ce qui a déjà été cité. Vous devez être ici. Ne restez pas dans le canapé avec votre prénom en tête. Ça vaut zéro. Ça vaut zéro. Vous êtes là. Si c'est la bonne réponse, vous repartez avec 5000 francs au total. Allez, les amis, je vous attends. Je vais devoir montrer la solution. Je vous assure. Allez les amis, c'est votre dernière chance. Ça c'était la dernière offre, c'était ma dernière offre. Il n'y aura pas plus d'argent pour ce jeu-là. Donc si là vous savez, vous devez absolument être ici avant que je ne sois obligée de montrer la réponse. Allez, on y va, on continue là. On continue, c'est pas encore fini, l'argent est toujours là. Donc quelqu'un peut toujours repartir avec 5000 francs au total pour un prénom féminin que vous connaissez. Il y a peut-être quelqu'un dans votre famille qui s'appelle comme ça. Pensez aux femmes de votre famille, votre maman, votre sœur, votre cousine, votre tante, vous-même, votre grand-mère. Est-ce qu'elle porte un prénom qui commence par ma et se termine en e, autre, autre que tout ça. Allez, on continue les amis, on continue avant qu'il soit trop tard. Bon, écoutez, je veux bien faire un tout dernier effort sur le gain. Après, c'est tout. Hein. Après, c'est tout. Écoutez, je rajoute 500 francs. Allez, je rajoute 500 francs. Terminé après. Hein. Ma dernière offre. Je fais ça pour vous faire plaisir, mais il faut être ici. Hein. D'accord ? Allez, là, le prochain appel est peut-être le bon. Pardon. Un prénom féminin qui commence par M-A et se termine en E. Autre que tout ça, les amis. Regardez, tout ce qui vient d'être dit, eh ben, autre chose. Allez, autre chose. Les amis, je vais devoir montrer la réponse. Allez, quelqu'un avant qu'il soit trop tard? Ah, on a quelqu'un. Peut-être le gagnant ou la gagnante. Allô? Allô? Bonsoir. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bienvenue. Je vous... Alors... Écoutez, comme je m'appelle Marguerite, ce serait pas son nom? Marguerite, est-ce que c'est ça, production? Ah non! Ah! Oh. Ça n'est pas Marguerite. Écoutez, je passe à 6000 francs au total. Ah, ça m'aurait plu, ça m'aurait fait plaisir que vous portiez le nom qui était... Oh, ça m'aurait fait plaisir. Bah, c'est pas ça, c'est pas Marguerite. 6000, on met 6000. C'est pas Marguerite. Allez, quelqu'un d'autre qui porte... quelqu'un d'autre qui porte un prénom qui commence par Ma parmi vous. Regardez, je viens d'avoir Marguerite au téléphone. Donc ça aurait pu être la bonne réponse, ça m'aurait fait vraiment très plaisir. Mais c'est pas Marguerite. Alors, la candidate à l'instant s'appelait Marguerite. C'est pas ça. Ah, oh, dommage. Franchement, ça m'aurait fait super plaisir que ce soit vous qui repartiez avec l'argent. Mais c'est pas le prénom qu'il y a dans l'enveloppe. Alors c'est quoi, les amis? Allez, on va trouver. C'est quoi? Et j'ai mis, regardez, 6000 francs au total pour vous faire plaisir. Alors, qu'est-ce que c'est? Allez, une autre candidate. Une autre candidate, peut-être qui porte un prénom qui commence par Ma. Allez,
peut-être une autre candidate, les amis, qui porte un prénom qui commence par M-A et qui se termine en E. Moi, ça me ferait plaisir. Franchement, les amis, ça me ferait super plaisir que vous portiez le prénom qu'il y a dans l'enveloppe, là. Ce serait génial comme circonstance. Pourquoi pas? C'est largement probable, en plus, hein. C'est largement probable, en plus, hein. Allez, les amis, continuez de m'appeler. Ce qui est important, c'est d'être ici. C'est d'être là avec une réponse qui a de très fortes probabilités d'être la bonne. D'accord ? Parce que là, on vient d'éliminer le prénom Marguerite qui aurait pu être la bonne réponse. Alors, il reste encore de moins en moins de possibilités. Alors, allez, on continue. Allez, les amis, on continue. Allez, on continue. 6000 francs au total à gagner. Moi, je pense que la prochaine personne à être là, hop là, repart avec le gain. Allez, 6000 francs au total, peut-être votre prénom. Imaginons que Marguerite eût été la bonne réponse. Eh bien, Marguerite partait avec le gain grâce à son prénom. Ça va peut-être vous arriver, hein. Ça va peut-être vous arriver si vous vous appelez par un prénom qui commence par A et se termine en E. Ce serait génial. Ce serait vraiment super. Alors, vous faites de très très bonnes tentatives, les amis. Je vois bien que vous cherchez et que vous vous donnez au maximum. Et ça me fait super plaisir. Mais ce qui fera encore plus plaisir, c'est que quelqu'un soit là avec la bonne réponse. Alors, qu'est-ce qu'on m'a donné d'ailleurs ? On m'a donné Marie-Claire, qui est très jolie comme prénom. C'est pas ça. C'est pas le prénom qui vaut 6 000 francs total. Alors, les amis, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Vous m'avez donné pas mal déjà, hein, des prénoms qui commencent par Ma. Hein. Alors, moi j'en veux un maintenant qui commence par Ma et se termine par un E. Allez, quelqu'un a-t-il une autre idée, les amis, pour 6000 francs au total ? Le prénom qui est dans l'enveloppe vous rapportera 6000 francs au total. Allez, vous avez au moins encore une idée. Vous avez encore au moins une idée. On vient d'avoir une candidate qui s'appelait Marguerite, qui m'a donc dit Marguerite. Il y en a encore un. Il y en a encore un qui correspond à ça. Hein. Il est là. Il est dans l'enveloppe, les Suisses. Il est ici. Et il vaut 6000 francs au total. Trouvez-le. Vous partez avec 6000 francs au total. Allez. Et c'est largement faisable. Vraiment, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, n'allez pas chercher trop compliqué. C'est un prénom que vous connaissez. Vous connaissez ce prénom. Allez, c'est maintenant ou jamais. D'accord ? Dans pas longtemps, je vais devoir vous donner la réponse. Je vais devoir rattraper l'enveloppe et montrer la réponse. Allez, quelqu'un avec une autre réponse, s'il vous plaît. Je sens, les amis, je sens que le prochain appel, c'est la bonne réponse. D'accord ? Allez, continuez de m'appeler. Si vous avez la moindre idée, surtout, je vous demande, les amis, de ne pas rester dans le canapé avec votre réponse en tête. C'est trop bête de passer à côté. Parce que là, ce que vous avez en tête comme prénom qui commence par M-A et se termine en E, il y a quand même d'énormes probabilités que ce soit la bonne réponse. Après tout ce qu'on a dit comme mauvaise réponse, bah, il en reste de moins en moins, forcément. Si ça se trouve, il n'en reste qu'un, encore une fois. D'accord ? Pensez à ça, surtout. Vous avez une idée ? Qui pourrait être la bonne réponse selon vous ? Appelez-moi. En fait, quand vous êtes là, c'est oui ou c'est non. Une chance sur deux d'être mon gagnant ou ma gagnante. Ça fait quand même beaucoup. Allez, continuez.
quelqu'un va me donner une autre réponse. Je le sens, les amis. Je sens que je vais avoir quelqu'un à l'antenne. Oh, bah tiens. Il y a quelqu'un ou pas, non? Oh, non. Allez, les amis. Allez, quelqu'un maintenant, s'il vous plaît. Allez, quelqu'un a-t-il une autre idée? Je veux entendre, là. Allez. Allez, je veux l'entendre, ce prénom, les amis. Je veux entendre ce prénom qui vaut 6000 francs au total. Ah bah voilà. Eh bah voilà. Allô. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Alors, je vous écoute. Marjorie. Marjorie. Production Marjorie. Oh non. Oh. Waouh. J'aurais pas pensé à Marjorie. Oh, c'est pas ça. Oh, c'est pas Marjorie. Alors c'est quoi? Allez, continuez pendant que j'écris. Continuez. Allez, continuez, on va trouver. On va trouver les Suisses. Allez, Marjorie. C'est pas ça. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que c'est alors? Il y en a encore un. Il y en a encore au moins un. Il est toujours là, ce prénom là. Il est toujours dans mon enveloppe. Allez, donc ça n'est pas non plus Marjorie. Alors c'est quoi? Allez. Allez les amis, trouvez, faites-moi plaisir. J'ai vraiment vraiment envie. J'ai vraiment envie que quelqu'un reparte avec le gain. Et je vous assure que c'est largement possible. Allez, allez, on continue, on continue. 6000 francs total, toujours en jeu. Maintenant, les amis, à chaque appel, j'ai le cœur qui bat, moi. À chaque appel, je me dis, wow, je vais l'entendre, la bonne réponse. Écoutez, je fais un dernier effort sur le gain. Attention, le voilà, 6500 francs total. Parce que je veux entendre la bonne réponse, les amis. Allez, je veux entendre la bonne réponse maintenant, les amis. Allez. Allez, prénom féminin qui commence par ma et qui se termine par e, comme Marie-Claire par l'instant, qui était une très bonne idée de réponse. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. À l'instant, on m'a dit Marjorie. J'aurais pas pensé à celui-ci, que je connais pourtant, mais j'y aurais pas pensé. C'est pas ça non plus. Alors, allez les amis, c'est quoi? Quel est ce prénom là? Quel est ce prénom qui est dans mon enveloppe et qui vaut 6500 francs au total maintenant? Allez, qui va repartir avec? Qui va repartir avec ça là ici les amis là, avec ça là? Qui va repartir avec 6500 francs au total? Allez, faut que ça sonne là. Je veux quelqu'un avec une autre proposition. Allô, allô, oh, allô, allô. Allô. Bonsoir. Allô. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue madame, je vous écoute. Pour le prénom, vous dites? Oui, prénom féminin qui commence par ma et se termine par e. Allô. Oui. Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Alors, votre réponse. Mathilde. Pardon? Mathilde. Mathilde. Production Mathilde. C'est pas Mathilde. Alors j'aurais jamais pensé à Mathilde. Bien tenté, hein? Bien tenté. Alors qu'est-ce qu'il y a les amis là dans l'enveloppe? Qu'est-ce qu'il y a comme prénom qui commence par ma et se termine en e? Ah.
Allez, je veux un gagnant. Je sais quoi ? Pendant que vous réfléchissez, moi je m'occupe du gain. 7000 francs au total. 7000 francs au total. Allez, dernière chance, les amis. Je pensais à quelque chose d'un coup, là. Je me suis dit, n'oubliez pas aussi les prénoms composés. Hein ? N'oubliez pas non plus les prénoms... Parce que je reviens là sur Marie-Claire, par exemple. Vous voyez, n'oubliez pas non plus ce type de prénom composé, ça peut être ça, je ne sais pas, mais ça peut être ça la réponse. Pour l'instant, on m'a dit qu'un. On m'a dit qu'un prénom composé comme ça, qui commence par ma et se termine en e. Mais pensez-y à ça aussi. Si vous manquez d'idées, pensez aussi au prénom double. Hein, on sait jamais. On sait jamais, les amis. J'ai eu l'idée d'un coup là. On sait jamais. Moi, je fais ce que je peux pour vous aider, donc. Pensez à toutes les possibilités, les prénoms simples et les prénoms doubles, d'accord? Allez, pour 7000 francs au total, donc, est-ce que vous avez une idée, une autre idée? Sachant qu'il reste de moins en moins de possibilités, les amis. Allez, un autre prénom, simple ou double, qui commence par ma et se termine en e. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir comme prénom féminin commençant par M-A, un E à la fin, dans mon enveloppe ici. Pour 7000 francs au total, les amis. Allez, on va pas s'arrêter. On m'a dit quoi à l'instant? Qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit Mathilde. Allez, je veux une autre proposition. Allez, une autre proposition. Oh là là, moi je vous assure, hein, j'ai le cœur qui bat à chaque appel. Hein. À chaque appel, je me dis, allez, c'est la bonne. Allez, à chaque appel, je me dis, c'est la bonne cette fois-ci. Est-ce que j'aurais entendu sonner par hasard, là? J'ai entendu sonner, hein? Oui, je me trompe pas. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue, madame. Je vous écoute. Votre réponse? Alors, ma réponse, c'est ma femme. Pardon? Votre réponse, j'ai pas compris le prénom. Béatrice. Non, non, le prénom qui commence par M-A et se termine en E. Alors, c'est ma femme. Ma femme? Oui. C'est pas un prénom, ça. Alors, c'est drôle, par contre. Mais c'est pas un prénom, ma femme. Alors ça, c'est ma... Alors, non, mais c'est drôle, franchement. Un peu d'humour, les amis, un peu d'humour. Ma femme, c'est vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mériterait que je l'écrive, tiens. Les... Ah, peut-être. Ah oui, mais ça s'écrit comment? Un homme? Ah non, non, je sais même pas. Je sais pas. Bon, allez. Allez, on continue, les amis. Allez, on continue. Allez, on continue. Un autre prénom féminin. Un autre prénom féminin qui commence par M-A et se termine en E. Allez, une autre idée, les amis. Une autre idée. J'ai entendu à l'instant ma femme. Alors, c'est pas la bonne réponse. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas ça qu'il y a dans l'enveloppe. Allez, quelqu'un a-t-il une autre proposition, les amis? Toujours l'argent en jeu, ça c'est la bonne nouvelle, ça veut dire que l'argent peut très bien partir au prochain appel. Alors, les amis, moi je vous dis qu'il y en a encore au moins un. Et il est là. Allez, petit récapitulatif. On sait que ce n'est pas
Madeleine, ce n'est pas Mariella, ce n'est pas Marceline, ce n'est pas Magali, ce n'est pas Marianne, ce n'est pas Marie-Lise, ce n'est pas Marie, ce n'est pas Marie-Claire, ce n'est pas Marjorie, ce n'est pas Marguerite, ce n'est pas Mathilde. Alors, allez, quoi d'autre? Allez, quoi d'autre, les amis? Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? M, A, M, A, et E à la fin. Alors, je vous attends, les amis, je vous attends. Messieurs, messieurs, j'ai beaucoup de dames qui m'appellent. Messieurs, donnez-moi le nom de votre épouse. Est-ce que votre épouse s'appelle, enfin porte un prénom, pardon, qui commence par Ma, avec un E à la fin? Allez, messieurs, j'ai pas entendu beaucoup de messieurs, là. Ah, 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 on a quelqu'un, on a quelqu'un. Allô, allô. Marie-Christine. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'avez dit? Oui, Marie-Christine. Marie-Christine. Est-ce que c'est ça, production Marie-Christine? Non. Ah, c'est pas Marie-Christine. Alors, les amis. Marie-Christine. Alors, les amis, c'est bien parce que vous pensez maintenant au prénom composé. Alors... On a déjà... Oh là là, alors est-ce que... Allô? Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Alors, je vous écoute. Mackenzie. Pardon? Mackenzie. Mackenzie. Mackenzie, c'est très joli ça. Est-ce que c'est ça, Mackenzie? C'est un nom auquel j'aurais pas pensé. Alors, je vais l'écrire... attendez, je vais l'écrire là. Alors. Je crois que c'est comme ça, hein, Mackenzie. Hein, voilà. Très joli ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Genre, alors là, jamais j'aurais pensé à ça. Bien, les amis. Bien, 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 bien. C'est bien, c'est bien. Allez, on continue. N'oubliez pas les prénoms. N'oubliez pas les prénoms composés. Hein. Fallait y penser, ça c'est difficile, hein. C'est difficile, fallait y penser. Oubliez pas les prénoms composés aussi, hein. Marie-Claire, on m'a dit Marie-Christine. On sait jamais, ça, on sait pas. N'oubliez pas les prénoms doubles, on sait jamais les amis, d'accord? Pensez-y, au cas où. Allô? Allô, allô? Bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier. Je pense à Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, production. Marie-Thérèse l'impératrice. Non, ça n'est pas Marie-Thérèse. Oh là là, on se rapproche, les amis, on se rapproche. Allez, on continue, les amis. Alors, c'est bien parce que vous pensez au prénom double aussi. Hein? Alors, faut pas les oublier, on sait jamais, c'est peut-être un prénom double. On sait pas, les amis, pensez-y. Écoutez, allez, là je suis fière de vous, regardez, je rajoute 1000 francs pour vous faire plaisir. 8000 francs au total, les amis. Allez, allez, on continue là, c'est bien, vous êtes plein d'idées. Moi j'adore quand vous êtes comme ça. On continue? Allez, on continue les Suisses. Allez, on continue. Alors pensez au prénom simple et pensez au prénom double aussi. Hein. On m'a dit quoi? On m'a dit Marie-Claire comme prénom double. On m'a dit ici Marie-Christine comme prénom double. On vient de me dire à l'instant Marie-Thérèse. Hein, n'oubliez pas les prénoms doubles, on sait jamais les amis. On sait jamais. Allez. Allez, continuez là. Oh là là. Oh là là, moi je sens que quelqu'un va trouver.
Allez les amis, bienvenue dans mon show. Qui veut gagner 8000 francs au total? Allez, il faut être là. Ah bah oui, il faut être là. C'est le seul, la seule chose que je vous demande, c'est de m'appeler et d'être là. Voilà. Après, vous me donnez une réponse, vous me donnez un prénom qui commence par ma et se termine en e. Ça peut être un prénom simple, ça peut être un prénom double, comme Marie-Claire, comme Marie-Christine, comme Marie-Thérèse à l'instant. Olivier vient de me dire Marie-Thérèse. On sait pas, hein, je sais pas. Hein. Ça peut être un prénom double, donc n'oubliez pas les prénoms doubles. Ça peut être un prénom simple et ça peut être un prénom double. On ne sait pas tant que vous n'êtes pas ici. D'accord ? À mon avis, c'est un joli prénom qu'il y a dans l'enveloppe. En général, on choisit des jolis prénoms comme réponse. Alors, qui m'appelle là? J'avais eu un bon rythme là, faut pas que ça retombe. Hein. Ah non, non, allez. Allez, vous continuez les amis. Continuez, s'il vous plaît, de m'appeler au 09 01 41 45 15 si vous avez la moindre idée. Surtout, ne laissez pas passer votre chance. Parce que là, je vous assure, on est à ça, les amis. On est à ça de trouver le prénom qu'il y a dans l'enveloppe ici. Plus ça va, plus on est proche de la réponse. Allez, on continue, les Suisses. On continue. Aïe, aïe, aïe. Moi, je sens. Je sens, les amis. Ça sent le gagnant là dans l'air. Il y a un air de gagnant dans l'air là, les amis. Allez, continuez de me téléphoner. Je suis contente parce que la personne qui va me donner la bonne réponse va partir avec beaucoup d'argent. La personne qui va me dire le prénom qu'il y a dans l'enveloppe va repartir avec 8000 francs au total. Alors, c'est quoi ce prénom? Il va falloir le trouver, les amis. Il va falloir le trouver, hein. Alors les Suisses, on va pas s'arrêter à Marie. Ah, qu'est-ce qu'on m'a dit, Marie-Thérèse? On s'arrête pas à Marie-Thérèse. Allez, je vous rappelle que pensez aussi bien en prénom simple qu'en prénom double. On sait pas. Je sais pas. Ça peut très bien être aussi un prénom double qu'il y a dans l'enveloppe. Je sais pas, mais pensez-y les amis. Hein. Vraiment pensez-y. Allez, continuez de m'appeler au 09 01 41 45 15. Moi, plus ça va là, plus j'ai le cœur qui bat quand vous appelez. Hein. Parce que je me dis, allez, alors là, c'est sûr, c'est la bonne réponse. Et ça va se produire. Quelqu'un va être là avec le prénom qu'il y a là dans l'enveloppe. Hein. C'est sûr les amis. C'est sûr et certain. Mais faut continuer de m'appeler. Allez, continuez d'être là comme vous l'avez fait à l'instant. Continuez de m'appeler et donnez-moi vos propositions de prénoms féminins qui commencent par ma et se terminent par un e. Regardez, mon tableau est presque rempli. Alors, moi j'ai plus de place, il va me falloir la bonne réponse maintenant. J'ai plus de place, les amis, là. Il me faut la bonne réponse maintenant. Allez, je vous attends au 09 01 41 45 15. Regardez le gain. Le prénom féminin qui est dans mon enveloppe, là, derrière moi, qui commence par ma, avec un E à la fin, vaut 8000 francs au total. Allez, qui me donne une autre réponse? Tous mes candidats, là, si vous avez une autre idée, n'hésitez pas à me rappeler, hein, vous avez le droit. Hein. Eh ben voilà, allô? Oui, allô? Bonsoir, madame. Bonsoir. Bienvenue à vous. Alors, oui. Je vous écoute. Marlène. Marlène.